Salut Tiger, c'est Lucamen. Aujourd'hui, on va ouvrir des géodes. Il peut y avoir à l'intérieur des minerais, tout ça, et du quartz. Ça va être trop bien. J'ai eu ça pour Noël. Alors ici, il y a les géodes. J'avais déjà ouvert pour voir. Alors, on va pas les casser tout de suite. Il y a une comme ça. Il y a un peu de blanc là et là, il y a un peu de rouge. Puis là, il y a l'autre géode complètement différente. Je pense qu'on va avoir deux trucs différents. Alors, on ne sait pas à l'avance ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, voilà. Du coup, j'ai ce masque pour se protéger que je vais mettre tout de suite. Et un truc pour poser, une loupe. Pour poser quand on aura ouvert. Et là, c'est tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Là, j'imagine que c'est du quartz, si je ne dis pas de bêtises. Ça, j'en avais trouvé chez papy et mamie. Comme ça, du violet. Moi, j'aimerais bien avoir le bleu, c'est ma couleur préférée. Et je trouve ça très joli. Celui-là, c'est très joli. Bleu, blanc, j'adore. On peut aussi avoir ça. C'est un peu bizarre ça, on dirait que c'est fait à l'ordinateur ou à la peinture, mais pas du tout. Il y a ça, de la roche violette. Je crois qu'il existe aussi du quartz noir. Ouais. Du quartz fumé, il existe. Ça, c'est peut-être ça le quartz fumé. J'ai aucune idée. En tout cas, tout ce que je pourrais avoir, ça a l'air trop bien. Maintenant, je vais les casser. Alors, il y a ces deux-là. J'aurais envie de commencer par celle-là, mais justement, du coup, on va commencer par celle-là. Celle-là, c'est la plus lourde, on la garde pour la fin. Du coup, je vais casser ça avec un marteau. On fait ça. Regardez, c'est trop beau là-dessus. On va voir si à l'intérieur, ce petit bout, je pense que je vais le garder, même s'il est tout petit. C'est magnifique. C'est tellement beau. On l'a encore cassé, c'est encore plus beau. On a cassé en trois. Trop beau. Et dans certaines géodes, il y a de l'eau. J'ai vu des vidéos des gens ouvrir des géodes et dans certaines, il y avait de l'eau. On va ouvrir la prochaine. La prochaine est bien différente. Je pense qu'à l'intérieur, on ne va pas avoir la même chose. Commence. J'aimerais bien la couper comme ça. On a un peu cassé, je crois que c'est du quartz. Et l'autre c'était... Regardez, il y a un peu... Parfois il y a du quartz et un peu de cristaux. Et là j'ai l'impression que c'est du quartz. Avec un peu de cristaux là, j'ai l'impression. En fait on dirait qu'il y a des boules. Première boule. On casse le contour et il y a une deuxième boule à casser pour avoir le vrai diamant. Le vrai cristal là. Regardez. Le vrai cristal. Il est là, j'ai l'impression. Ce serait trop bien de l'avoir. Je vais continuer à casser. Alors il y avait cette couche à l'extérieur, la couche à l'intérieur. J'ai donné un gros coup, ça s'est cassé. On croyait que c'est pas si beau là. Mais c'est magnifique à l'intérieur, regardez. C'est tellement magnifique. À l'intérieur, il y a un trou, c'est trop beau. J'adore les deux. Alors, voilà ce qu'on a eu. Ça, c'est du quartz. Et ça, autour, du coup, c'est pas du tout du quartz autour. Ça, on ne sait pas ce que c'est en fait. On n'a pas trouvé dans le livret. À l'intérieur de celui-là, il y a des paillettes. J'ai une petite préférence pour celui-là. Je trouve très joli. Même si je sais pas ce que c'est, je trouve ça très joli. Donc ça m'a plu. Il y a même une petite loupe avec.
ça m'a donné envie d'en refaire d'autres. J'espère en refaire d'autres. À la prochaine !